Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Montbadopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous va démarrer tout de suite avec information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Montbadopolis, équipe TV Caraïbes, nous apprécier ça. Si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet ou faire partie équipe notification TV Caraïbes et ça t'a impressionné nous en pile. Si t'es capable aider nous grandir chaîne ça. Eh bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Président parti politique Linelan Clarence Renoir dit lui souhaiter 3 jours dialogue kay non apostolique là permettre gagner un accord qui facilite et stabilité dans pays ya. Et nous voulons faire connaître tout ancien ministre santé publique avec population hein, Florence Duperval Guillaume accompagné avec avocat maître Jean-Joseph Exumé répondre question juge d'instruction ramasser Exumé dans quatre dossiers Petro-Caribe. Une responsable sojenéo, Jean-Marie Vob accompagné à avocat yo, maître Berto Dorsé, Martin Chevalier répond question juge d'instruction Mélande Bellab dans quatre dossiers qui opposé l'état haïtien à compagnie sojenéo. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. On réunion là, mi faire pour aller. Mais on comment l'ambiance là? L'ambiance ça va mal. Mais bon, on va le faire un atelier. Un atelier? Mais hier, c'est comment ça fait hier, discussion? Tu fais des propositions. Ça va avancer. Non, mais mon réunion là, c'est ça que je fais. Donc, on n'aime pas, j'en refuse, nous. Même pas qu'après, j'en retard là. On aime pas aller là. Mais quelle est la proposition ça? C'est. Non, nous pas, je vais pile monde qui va parler avec nous tout à l'heure. Au moins, même, il faut qu'on finisse. D'accord? D'accord. Sénateur, comment ça est là pour deuxième journée? Eh bien, bon, parce que ça avance très bien. Ça avance très bien. Donc on a l'espoir que d'ici demain, on pourra sortir okay. Avec. Chauffeur, pas de soucis. C'est chauffeur pour vous. Comment va y aller là pour deuxième journée? Discussion à poursuivre. Positivement. Ok? Bagadjo plus. Je dis à de qui ça nous parle. Discussion à poursuivre positivement. Sénateur, comment ça est? Très bien pour jeudi, comment va et pour deuxième journée? Jeudi, on va discuter, discussion était un petit genre, on va un peu dur, parce que nous rentrons dans des bagailles qui concernent le pouvoir, on va organisation de la gouvernance, mais nous avançons. Ok, nous avançons. Pour demain, on va continuer? Pour demain, on va continuer. Ok, merci. Dieu fait silence derrière. Bon, ok. Professeur Noir, dites-nous, ou même qui toujours pas raté l'occasion de adopter le pays, à faire promotion pour tout Haïtien chita ensemble, pour une solution. Yo. Et ça fait quelque temps, bon, c'est au niveau de l'initiative là, il y a des acteurs politiques qui retournent sur ta dialogue là. Déjà, il y a une deuxième journée. Yo. Ou même comme dirigeant politique, et qui gens auraient une telle démarche? Bon, écoutez, je pense que l'Ibajam Trota pour nous parler, l'Ibajam Trota pour entamer un dialogue, c'est une bonne initiative que nous-mêmes dans l'Union nous encourager, puisque justement nous faisons de dialogue. La principale, nous avons dit axe de politique, nous, de programme, nous, dans le sens que le dialogue là permet de nous arriver plus vite des côtés nous avons des difficultés pour nous arriver là-dedans. Donc, nous applaudis. Et initiative de dialogue ça, sauf que nous souhaitons qu'il y ait plus de monde qui entre dans le dialogue là. Il faut que monde qui prend initiative lancer dialogue ça, mène plus de monde dans espace côté dialogue là fait là dans l'initiative apostolique là pour garantir que recherche qu'on a fait pour joindre un accord politique qui sorti à partir d'un dialogue, et bien son accord qui embrasse beaucoup plus de monde et qui joigne adhésion beaucoup plus de secteurs pour que accord ça capable
accord durable et mener vers des solutions. Parce que le dialogue, et Guinée, nous n'avons pas gagné et alternative à dialogue là, à mon avis. Toute alternative à dialogue, donc crise politique, c'est conflit, c'est affrontement, c'est problème. Donc à partir de ce moment, nous, nous avons déjà prévoit justement que nous pas qu'à entrer pays à non crise, non conflit, non affrontement encore. Meilleure solution pour nous, meilleure alternative là, c'est la dialogue. Donc, je dis à nous encourager dialogue ça. Et cependant, on a dit que dialogue là, pas doué, il y a un espace côté Mounbral Goumen pour rejoindre poste gouvernemental. C'est recherche d'un accord politique qui va permettre que nous résoudre ensemble problèmes qui gagnent devant nous, que ce soit insécurité, problème élection, problème parlement, je dis à là, qui va exister, pour nous remettre l'institution ça au campier, pour démocratie noire, pas prendre trop dommage. Je dis à là. Dialoguer pour faire quoi? Parce que vous n'avez pas de bail, vous n'avez pas fait chercher de job, mais ça a été toujours le cas. Nous sommes dialogués, il y a des choses, tout le monde a participé dans le dialogue là, ça a été ministre, directeur général. Mais je dis, nous avons besoin, son nécessité pour dialoguer. Dialoguer autour de qui ça, pour faire qui ça? D'abord, ou bien prendre exemple, El Rancho. Je pense qu'il faut nous tirer exemple de El Rancho pour ne pas faire El Rancho bis. Parce que si nous faisons, nous plongeons pays à la plus crise toujours. Donc, recherche et partage de postes, pas jamais mener vers des solutions durables. Alors, je dis à ce second dialogue, c'est un dialogue pour nous arriver vers un accord politique, un accord de vivre ensemble, un pacte de gouvernabilité. Évidemment, la passer par un gouvernement, parce que faut qu'un gouvernement légitime. Si il y a un monde qui est capable de prendre des responsabilités là-dedans, il y a prendre, mais avec des objectifs clairs et précis. Qui objectif y est? Objectif là, c'est d'abord adresser les problèmes socio-économiques urgents que le pays a gagné, parce que c'est un pays qui à la ruine, nous en ruine. Après épisode, pays, l'op, tout problème que nous gagnons, et gon situation socio-économique grave de yon là, gon inflation, pas gen travail, gen problème chômage, donc il faut adresser les problèmes socio-économiques. Deuxième aspect, ou gen problème d'insécurité. Yon corollaire, hein? Problème socio-économique et insécurité. Nous pas cap quitter que capital là, occupé et compartimenté, et avec une sorte de somalisation de Port-au-Prince et d'Haïti en général, côté chaque équipe gang contrôle une zone avec zam moun pa ka circuler. Dans perspective ça, on va faire élection. Donc, c'est le troisième objectif, accord politique là, pacte de gouvernabilité, préparer des élections. Pour faire des élections dans le pays, pour élire un nouveau parlement, pour que la démocratie a recampé sous trois pieds. Parce qu'il faut qu'il y ait législatif, il faut qu'il y ait judiciaire, il faut qu'il y ait exécutif. Je vous dis, nous sommes dans une situation où le président est pratiquement seul maître à bord, pas qu'il y ait parlement, donc il faut mettre le parlement sous pied. Mais pour mettre le sous pied, il faut qu'il y ait de bonnes élections faites. Un, il faut être inclusif, et deuxièmement, il faut une élection sécuritaire. Parce que moi-même, si je suis le candidat, il faut que j'ai une assurance que je vais circuler dans une série de quartiers, dans une série de départements, dans une série de villes pour me faire campagne normalement. Donc ce sont là les gros objectifs qui t'a dû sortir dans le dialogue, ça, dans un accord politique que toute partie a signé et a tenu de respecter. Là, on parlait du gouvernement du national, là, j'ai parlé de ça, qui ont eu des marches qui, en termes de résultats, qui t'a parlé de ça après trois jours. Écoutez, d'abord, il faut que le président de la République l'a accepté que la forme un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'il n'a pas accepté de former avec un premier ministre qui sortit dans l'opposition? C'est l'idéal selon moi-même pour rééquilibrer la gaille. Pour le président connaît que l'idée est une opposition, mais ce n'est pas une opposition qui va empêcher le travail, mais qui va travailler ensemble avec lui pour stabiliser le pays. Et dans le gouvernement union nationale, ça, ou bien consensus, toujours mon carré les lits, ou capable de gagner des partis politiques et du pouvoir, proche du pouvoir, et ceux de l'opposition, qui est capable de porter des contributions pour qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y ait un équilibre qui est formé pour politiquement pas gagner aucun problème, manifestation, grève, voyager aller encore, et que nous vivions nous jouer nos solutions. Évidemment, dans le dialogue qu'a fait et pour le moment d'annonciature apostolique, là, moins qu'on est, puisque unir par le biais de bloc démocratique là, à suivre à distance ça qu'a passé là. Et moi, je connais des propositions qui viennent sous table de négociation, sous table de discussion. Il y a des partis politiques qui suggéraient que réduit le mandat présidentiel là, donc pour nous arriver à des élections anticipées. Donc, ce sont des ensembles de solutions. Bon, côté président, là, m'imaginez qu'il y a obtenu un mandat présidentiel là. Hein? Président dit par une transition, par exemple. Donc, c'est autant de sujets qu'à discuter. Mais dans le tout, Sony, ça qui est important, c'est que le pays a joué une solution médiane, au côté pas un perdant, tout le monde gagnant. Et que deux rencontres, deux discussions, dialogues, nous avons sorti avec un document côté tout le monde signé et obtenu de respecter sous l'œil de la communauté internationale. Je dis à la qui, gros travail, au chantier qui a pris tant de gouvernement qui a sorti dans le dialogue.
par rapport déjà à la situation de la politique qui divise la société, qui travaille avec la politique. Vous avez trois chantiers. Vous avez un chantier économique, économie en grave, il faut que nous jouions COB, il faut que les pays étrangers soient capables de prêter Haïti COB. Donc Haïti a une capacité pour le prêter, il faut qu'on ait un gouvernement légitime. Donc forcément, question sociale après BDLI. Ou bien question sécurité qui doit régler, parce que ou non, environnement politique, ou besoin pour organiser l'élection comme troisième priorité, il faut qu'on ait d'abord la sécurisation de toutes les villes, de toutes les régions, la sécurisation du pays en général. Il faut qu'on ait un désarmement qui fait, il faut qu'on contrôle qui fait du territoire par les autorités nationales, les autorités légitimes, pour que nous permettre qu'il y ait un environnement de paix et de sérénité. Côté candidat qui a fait campagne, côté électeur qui a voté. Et troisième grand chantier, donc, c'est l'élection. Car il faut remettre le Parlement sous pied pour que nous ne gagnions pas une caducité de Parlement qui durait trop longtemps et qui bat président en temps pour la diriger et par décret. Tout ça permet que nous arrivions vers l'objectif de remettre toute institution politique et démocratique en place pour que le pays a marché sous deux pieds et, normalement. Mais attention, il ne faut pas que nous fassions l'élection anticiper ou bien précipiter. Font élection qu'on y a là, et ou bien 99% de chance, c'est moun qui gagne zam nan meyo, c'est moun qui gagne l'argent sale nan meyo, qui pral occuper espace territorial là, et qui pral accaparer élection sa yo. Donc, ou pral yon législature 51e qui semble la 50e, non, coup de goutte de l'eau. Donc, pour éviter ça, il faut d'abord assainir le climat politique, l'environnement politique, par la sécurisation de pays là, pour que vous permettez que nous ayons un environnement côté moun capable sortir puis al faire campagne et al voter. Donc voici les trois grands chantiers capitaine n'importe gouvernement qui vient là, en attendant qu'au grand parlement qui vient rentrer en place, en attendant que organiser des élections, peut-être des élections encore une fois générales, parce que en tout cas presque générales, quasi générales, parce qu'il y a une élection communale et tout pour pas tomber dans agent intérimaire etc qui entre dans grand désordre. Il faut que nous joignions un calendrier qui permet que nous monter un conseil électoral provisoire que tout secteur d'accord avec lui, une loi électorale que tout le monde d'accord avec lui, qui va mettre cadre juridique et politique pour que l'élection soit possible dans le pays. Every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh. So that I need is you in my bed. Give me a sign more than in your head. Donc, les disponibles, n'est pas terminé. Ah oui. Et comment est-ce que des accusations, ça repousse sur la technologie? Eh bien, on va rentrer dans l'autre domaine avec moi. On va rentrer dans le domaine secret de l'instruction, que je m'accorde. On a toujours été en contact. Bon, là, on va priver, on va capable de répondre à toutes les questions. Mais pour le président Kadou, on va pas faire. Mais pourquoi ça a demandé au report? Vous étiez supposé présenter hier. Ah, mon cher. Vous avez un problème? Vous avez trop de bagaille. Mais bon problème. Regardez tout le monde qu'on connaît. On connaît qu'on a été dans le cabinet d'instruction et qu'il a demandé au repos. Et puis, il y a besoin qu'on ait pour qui ça a demandé au repos. C'est trop bagaille. Mais ça, c'est un détail. Mais on va pas rentrer dans le détail. Ça. On va demander au repos pour qui ça. Comment on va confirmer que s'il a bien voulu retourner. Comment on dit ça? Ah, très bonne ambiance. Ambiance de sérénité. Bon, monsieur, bonne journée. Comme monsieur fait foi à la justice, je réponds à la question de la justice sans hésitation
Et puis nous étions à la disposition encore de la justice à toutes nos conditions. Les consommations que dernièrement là que l'ISCAT a fait, est-ce que nous déjà au pouvoir? Et nous pouvons recevoir la sommation et sans sommation nous ne pouvons pas venir parce que c'est ça décision justice. Est-ce que vous avez un mandat et mandat d'amener seul la justice qui a dit ça par ma connaissance. Mais la justice est médiée. Il n'y a pas de Miguel. Miguel, tu as un secret, je ne peux rien dire. Secret de la... Secret de la... Voilà, équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'entendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.